Les gars, on y va, allez. Lâchez. Continue. Ces vidéos, filmées par de simples témoins de violences policières ou des journalistes, ont permis d'innocenter des militants accusés, à tort, de violences à l'encontre de policiers. C'est parole contre parole face à un gardien de la paix, et là on pèse pas bien lourd. Donc c'est vous êtes mort si vous ne pouvez pas filmer et apporter ce genre de preuves. L'article 24 de la loi de sécurité globale prévoit de pénaliser d'un an de prison et de 45 000 euros d'amende le fait de diffuser des images d'un policier ou d'un militaire dans le but manifeste qu'il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique. Censé protéger les forces de l'ordre, cet article a été réécrit par le Sénat et prévoit un nouveau délit de provocation à l'identification. Je participais à une manifestation contre la loi travail en 2016, qu'un cordon de policiers a voulu arrêter alors qu'on se rendait à la Bourse du Travail de Saint-Denis pour tenir une assemblée générale. Et à l'occasion de ce blocage par le cordon policier, donc une grenade est tirée, ce qui crée un mouvement de panique. Et moi, à cette occasion, on me fait un croche-pied, on me frappe au sol, je saurais pas dire qui c'est, mais donc suite à ça, je suis interpellé. On dit que c'est moi qui aurais frappé un policier. Il a été possible de mettre la main sur une vidéo et de produire une vidéo. Ça a quand même manifesté justement semer le trouble dans l'esprit de la procureure et de la juge. Et les juges ont décidé du coup de me relaxer puisque mes droits à la défense n'avaient pas été respectés puisqu'on n'avait pas pu interroger le seul témoin à charge. Pour ma part, j'ai été accusé de vol, de refus de se soumettre à un contrôle d'identité, de délit de fuite, de violence à agent, etc. etc., etc. Mais par chance, deux camarades avaient pu filmer tout ce qui s'est passé. Quand j'ai montré les images à l'IGPN et que les agents interpellateurs ont été convoqués, ils ont changé leur version. Mais grâce aux images vidéo, j'ai été relaxé. Ce 31 octobre 2019, nous avions décidé de faire un rassemblement au dernier moment, puisqu'on avait appris que la veille la venue du Premier ministre pour faire des annonces pour la Seine-Saint-Denis en ce qui concerne les services publics, suite notamment à un rapport Cornu-Gentil qui faisait la démonstration que d'autres départements à une rupture d'égalité républicaine. Nous étions une quinzaine de militants et de militantes avec une petite banderole où il y avait marqué « Halte à la casse des services publics ». Et soudainement, il y a eu un cordon de policiers qui s'est formé devant nous et qui nous a repoussés de plus en plus violemment, molestés. Ne sachant pas plus comment dire d'arrêter à ces policiers, j'ai fait tomber le calot de ce policier qui tout de suite m'a exfiltré. Et quand j'ai été derrière la camionnette, donc suite à mon exfiltration, on m'a dit, j'ai dit tout ça pour un calot, et là on m'a dit, nous allons dire que nous, c'est une gifle. Et j'ai passé après 7 heures donc, de garde à vue. Pendant ma garde à vue, donc à mon audition avec mon avocate, le commissaire a dit, je vais aller voir la vidéo. Sauf que dans le dossier aujourd'hui, il n'y a pas de vidéo de leur part. Nous, par contre, nous avons une vidéo, celle qui a fait prendre position au procureur suite au visionnage de cette vidéo, puisque j'ai obtenu la relaxe totale. Donc le 22 février dernier. Mais récemment, le procureur a fait appel de la décision de justice concernant ce responsable syndical. Pour la CGT, il est clair que la loi de sécurité globale et son article 24 a notamment pour but d'invisibiliser les violences policières. Le gouvernement, qui dans une période de crise sanitaire très grave et dans une période de crise sociale très grave, souhaite finalement entravé par ce projet de loi, le droit de manifester, et nous devons pouvoir aujourd'hui continuer à manifester nos désaccords, nos propositions, à participer de manière pacifique à des manifestations revendicatives sans avoir le risque de subir soit des violences policières, soit d'être interpellé à tort, soit d'être mis en garde à vue, voire être condamné alors même que nous étions là pour manifester et pour porter des revendications.